Coucou à tous, alors, petit unboxing d'un petit paquet. Ça va? Passez bonnes vacances et bon été. Pas fiché que les crues. Du flotte tube que je me suis acheté. Alors, il est hyper connu. Hein. C'est le Fraser de Pacific Cash. Qui du coup, avec les promos du 60 ans, était à peu près 400 balles. Donc, bon, c'est quand même pas trop mal. Donc, les palons, les rames, la barrière à insectes, le fil à rond. La compasse avec la valve de pression. Le siège. Donc, pareil, valve de pression. Une sacoche. Alors, apparemment, c'est le pointable. Effectivement, ça paraît d'être grande qualité, de petites poignasses pour les prendre, c'est pas non plus énorme. Les bretelles pour porter le bordel dans le dos, s'il faut, ça c'est pas mal, si t'as un peu de route à faire avec. Des sangles, ça on verra. Le plancher. Le kit de réparation. Repair kit. Alors, un support de canne. Ce somme-là, ça se dérouille, ça se dérouille. Ça c'est pour le barbecue, on sait rien, on verra. Support moteur, parce que oui, on va le motoriser, plutôt léger. Le patch pour le support de canne. Du coup moi, je ne peux pas utiliser ça. Un autre support. Normalement, ça se présente comme ça. Éco-sondeur, support de canne. Et maintenant, le joli sac. Le sac, quand même sympathique. Hein. On sait pas, tu vois, qu'il y a un sac de transport. Les verrouillages étoiles, mais ça c'est là-dedans. Voilà, les câbles. Support de sondeur. Ça, faut que je...
taille, hein. Ça fait un beau bébé quand même. Les supports moteurs sont là et là. Et bon, on va gonfler ça, puis on va voir ce que ça donne. Et donc voilà, le phaser monté avec deux accessoires qui sont pas dans le kit, bien sûr. Vous avez le bacon dorsal, énorme bacon. On peut tenir votre sandwich, surtout la batterie. Du moteur. On fera une petite présentation rapide aussi, une vidéo de la motorisation. Là, j'ai pas encore tout reçu, évidemment, les batteries viennent de Chine. Ça prend un peu plus de temps via Bigood Fishing, mais les prix sont ultra compétitifs. Donc, petit bacon arrière de chez Phaser et le porte-canne Sican également de chez Phaser que l'on a ici. Comme ça, là, d'accord, un peu moins détendu. On verra tout pour des cannes. Je pense que ça suffira, c'est pas mal. Donc voilà, première impression, c'est pas mal. Donc ici, vous avez tout ce qui est accessoire qui se verrouille en fait avec cette petite molette. Tic, tic. Donc ça se met en fait dans l'encre, dans la rainure, tac, et ça bouge pas. Par contre, pour le support éco-sondeur, j'ai un petit souci, ça rentre en force en fait. J'ai essayé les deux, tu vois. Ça rentre en force. Là ici l'épaulement est un peu trop gros par rapport au reste. Ça rentre pas parfaitement et du coup ça glisse pas. Tu vois là, ici un petit espace alors que là il n'y est pas. Donc le petit filet qu'on se met sur les genoux au cas où pour mettre des petits leurres. Donc ça se scratch, ça s'amérine derrière. Alors j'ai pas mis les cannes, hein, clairement les rames, j'en ai pas d'utilité. On va faire une première sortie dimanche en palme. Je ne vois pas sortir les rames, donc clairement je les ai pas mis. Mais elles se mettent en fait ici et viennent se supporter ici. Donc les petits grandeurs ici. Donc ça effectivement je pense que ils sont pas, ils sont généreux, ça fait voilà, ça fait du bacon, mais bon, la qualité est pas terrible. J'ai l'impression que les qu'est-ce qui va péter en plus rapidement, ça va être ça le moteur tout simplement, enfin le support moteur, il s'enfile des deux côtés. Donc d'abord la partie basse, puis il vient se mettre sur la partie haute. Et vous avez le choix entre gauche et droite par arrière. Donc là, donc, il y a donc, le truc qui permet d'avoir les trois positions, latérale et arrière. Ici, vous avez que arrière. Le gonflage, franchement, hyper simple. La pompe, elle est super efficace. Les valves, ben, c'est des valves. Donc je ne connaissais pas les valves de pression. Ben, en fait, c'est tout simple. Il y a deux positions, ici ça gonfle et ça arrête. Si tu appuies et que ça se clique, ça va se dégonfler. Donc si tu essaies de gonfler avec le petit titi ici, voilà, le petit titi au fond, ça va se gonfler, mais dès que tu enlèves la valve, ça va se dégonfler. Peut-être pas pour moi, voilà. Donc voilà le phaser de Popa. Je vais peut-être vous faire dans une vidéo le petit A6 qu'on a pu acheter pour Pyro. Donc là ici on est sur du PVC, il n'y a pas de chambre à air, hein, pour ceux qui ne voilà, savaient pas. L'ASX qu'on va présenter juste après, lui ça serait la chambre à air. Acheté sur le bon coin à un gars super sympa de la région, 70 balles. Très beau, très 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 belle affaire. Très gentil à lui de me conserver le dimanche parce que voilà, il y a eu énormément de demandes. Il me l'a conservé jusqu'au week-end. D'autres vendeurs l'auraient cédé. Première personne à la maison. Donc l'ASX de Pierrot, c'est juste après. Et voici le JMC AXS avec support de canne JMC de Pierrot. Donc super occasion. Des bacons bien confortables, bien costauds, bien robustes, tu vois. Étanches, contrairement à ceux du Phaser, ça c'est clair que ceux-ci sont de meilleure qualité. Clairement, le tissu est plus épais.
peu moins de place, mais ça a l'air d'être assez sympathique. Donc, deux petites valves, hein, bien sûr. J'ai aussi pris un petit bac pour l'arrière, la 7 Bass, pour le casse-croûte, des dos, etc. etc. Il a une réhausse en dessous. Ça, il est bien haut sur le truc. Et les cannes, c'est pour les cannes. Donc là, il est juste. Imaginez ça dans l'eau, hein. Voilà, ça fait ça. C'est dans l'eau, ça se prend support sur le côté. Et il est vachement bien parce qu'il est très compact. Il est super cool. Donc voilà, les deux bébés prêts pour demain. À faire une petite session sur l'étang de Popsheim à Palme. On fera un peu de sport. Allez, à tous.